Je me décrirais comme un défenseur two-way qui est capable de autant bien défendre que d'avoir un bon flair offensif, puis qui est un défenseur qui a un bon hockey IQ. À 5 contre 3, le tir de Luneau et le but! C'est un homme extraordinaire, c'est un gars passionné. Sa préparation est digne d'un professionnel déjà. C'est un gars qui veut avoir du succès. C'est un jeune homme qui assimile l'information extrêmement rapidement. C'est un petit gars qui veut réussir, puis regarde des matchs de hockey. Dans la génération d'aujourd'hui, c'est rare que tu vois un jeune commencer un match de hockey à 7h puis le finir à 9h30. On veut tout faire rapidement. Mais Tristan, il prend le temps de regarder un match. Il prend le temps d'analyser les détails. C'est un petit gars qui marque toute l'information qu'il voit. Puis c'est des choses comme ça, c'est des détails qui le rendent spécial. J'ai une bonne première passe, puis que je suis capable, tu sais, je suis bon, ça me permet d'être bon sur les breakouts, je lis bien la pression. Tu sais, je pense que Tristan aime beaucoup se comparer à un Drew Doughty. Puis je pense que c'est une belle comparaison. C'est un gars qui est quand même physique. Mais quand on regarde le type de défenseur, c'est un gars qui n'a pas peur de donner des mises en échec. Très bon pour supporter l'attaque, un bon tir. Puis je ne pense pas pour rien que Tristan porte le numéro 8. Évidemment, la motivation puis mon excitation vers cette saison-là est plus grande que les autres années. J'ai jamais eu autant hâte de commencer une saison, c'est certain. Donc, l'enjeu est beaucoup plus gros que les autres saisons.